Et salut les Simresseux, salut Simresseurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va se tester un petit mode circuit. Alors en fait, c'est le circuit du Koweït. Alors ça m'a surpris, je ne savais pas qu'il y avait un circuit au Koweït. Et donc c'est un mode qui a été fait par la Sim Racing Team, si je dis pas de bêtises. Je vous remettrai en description exactement, j'ai la mémoire qui flanche, je suis désolé. En fait, il est sur le workshop, donc vous pouvez aller le télécharger. Quand je l'ai vu, j'ai regardé les commentaires et en fait ils étaient assez élogieux. Du coup j'ai dit bah on va aller tester tout ça. Du coup j'ai pris la petite Norma LMP3. Alors aujourd'hui c'est du Cannes si je dis pas de bêtises. Et on va aller découvrir le circuit. Alors vraiment je découvre, donc vous m'excusez le pilotage parce que je ne connais pas du tout le circuit. Donc je vais vraiment découvrir en même temps que vous. On va aussi regarder un petit peu comment est fait ce circuit. Ça a l'air plutôt joli hein, pour le moment. Hein. C'est au niveau de ce qu'on voit habituellement directement par le studio. Ah ouais, c'est très beau déjà au niveau luminosité, le goudron. C'est du RF2. Hein. On va pas lui demander de faire plus que ce qu'il sait faire. En tout cas, je ne savais pas qu'il y avait un circuit au Koweït. Alors là, je pense que c'est encore la sortie de la pit lane, voilà. Grande sortie de pit lane, bien large, ça c'est cool. Et qui s'adresse dans une ligne droite, ça c'est génial. Ça c'est très bien parce que ça permet d'éviter les gros incidents en compétition. Alors, ok, ça va tourner assez fort ici. C'est très joli, hein, c'est... Waouh, je suis surpris. On a du mal à penser que c'est un mode. Très très bien fait. Alors il y a un 12h du coup. Hop 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 hop. J'en ai loupé un bout. Ah bah oui. Forcément. Alors, est-ce que ce serait pas un... Dites-moi, parce que franchement, je suis totalement dans l'ignorance. Est-ce que ce serait un futur circuit de Formule 1? Parce que j'entends qu'il y a un DRS qui se déclenche. En tout cas, il est très bizarre. Très bizarre en termes de tracé. Hein. Je pense qu'on se met dans la tête. Faut tourner un petit moment. J'ose pas accélérer. Il est très large en tout cas, on a une vue assez dégagée. Par contre, il y a du dénivelé, il y a énormément de dénivelé. Du coup, c'est assez gênant pour se placer sur l'horizon. Il y a des virages qui sont pas mal cachés, donc c'est un peu la mode depuis quelques temps. Oh là, on a un triple, quadruple droite, si je dis pas de bêtises. J'ai peut-être mal compté. Un peu comme à Misano, vous savez, ce triple. Ce triple droite qui arrive vers la fin. Il est long, hein? Ou j'ai déjà fait un tour? Non, j'ai pas fait un tour encore. Ah là, je vais passer. D'accord, je vais passer le premier tour. Et ben, il est plutôt long. Hein. Et en tout cas, il est très beau. Hein, c'est impressionnant. Très bien réalisé. Voilà, la tribune principale. Là, on arrive sur la ligne droite. La tribune principale, magnifique. Franchement, j'ai rien à dire. Je peux même pas dire blablabla. Bla 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 bla. Il est très très beau ce circuit. Ah, ça, d'accord, on peut y aller à fond. Très très beau, très dégagé. Alors bien évidemment, vous dire, si c'est une juste reproduction du réel, je savais même pas qu'il existait à la base. Forcément, c'est dur. Mais en tout cas, waouh, c'est graphiquement, c'est très propre. Hein, et le bitume, là, voilà... C'est tout propre, c'est tout neuf. Donc ça doit... Si c'est un circuit qui est assez récent, je ne serais pas étonné, ça me fait comme tout à l'heure. Ah, celui-là, on le voit vraiment pas arriver, par contre. Il est vraiment dangereux. Par contre, c'est bizarre, c'est que ça clique là, comme une zone de DRS. C'est impossible d'envoyer un DRS à cet endroit-là, c'est bizarre. Ah là, ce long gauche est terrible. J'enchaîne sur un droit, toi. Ah, je pense que je vais tourner un petit moment dessus, quand même. Pour me le mettre dans la tête. J'aurais peut-être dû me mettre la trajectoire idéale comme les noobs, mais c'est comme ça qu'on apprend au début un petit peu à un circuit. Moi j'aime bien le faire de tête. J'aime bien apprendre au fur et à mesure que je tourne. Après là, en vous parlant, bien évidemment, c'est pas évident. Là c'est le fameux quadruple gauche, si je dis pas de bêtises. Donc là ça resserre fort et on a encore... Voilà, c'est ça. C'est bien un quadruple. Voilà, lui il resserre très fort. Ok. Alors apparemment, il ne prend pas en compte les limites de piste. Donc c'est peut-être une amélioration. En tout cas, ils ont déjà fait des améliorations
sur le mode, puisqu'il est sorti il y a peut-être 2 semaines, je ne sais pas. Et ils ont déjà fait des mises à jour, donc ils vont suivre leur mode. Mais en tout cas, ouais, vraiment cool, vraiment cool. On va couper, hein. Si on finit le tour quand même. Alors fini le tour. Moi je vais m'amuser à tourner dessus sur ce circuit. Parce que vraiment, il a l'air très cool. On va se regarder le ralenti. Je vous mets le ralenti comme ça. Bah on finit là-dessus. Je vais pas faire une vidéo de 6 heures là-dessus. Ça sert à rien. C'était voilà, pour juste découvrir tout ça avec vous. On se met le ralenti, on regarde un petit peu, comme ça on va un petit peu... c'est vraiment... Alors, en commentaire, j'avais vu sur le workshop que je sais plus qui avait mis que c'était à la hauteur des productions de S397. Et ben, je trouve que c'est pas faux, hein. C'est vraiment... voilà, on a l'impression que c'est un circuit officiel, c'est impressionnant. Il est très intéressant, j'ai envie d'aller le parcourir un peu. Je pense que organiser des compètes sur circuit, ça peut être vraiment très bien. Voilà, on voit qu'il y a tous les sponsors. Bien évidemment, je connais pas le vrai circuit, donc je sais pas si c'est juste fictif, mais bon, je pense qu'ils les ont mis, c'est que c'est les vrais. Très 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 beau mode, très beau circuit, qui a du potentiel, comme je dis, pour les compétitions indie ou qui utilisent des mods. Là pour le coup, S397 pourrait l'utiliser aussi en multijoueur, hein. Sur leur multijoueur, ce serait pas honteux d'utiliser. Franchement, rien à dire. Alors par contre, ouais, on a l'impression que les limites de piste, pour l'instant, c'est... il n'en tient pas compte. Mais c'est la seule critique que j'ai à émettre. Voilà, bah écoutez, allez le télécharger. De toute façon, c'est gratuit, donc vous avez rien à perdre. C'est content d'avoir découvert ça. Merci à ceux qui ont fait ce mode et qui nous le met à disposition gratuitement, je le rappelle, c'est gratuit. C'est du boulot quand même de faire tout ça, de coder, de tout reproduire, machin. Donc merci beaucoup aux personnes qui ont introduit ce circuit dans Air Factor 2. Et puis maintenant on va aller s'amuser dessus. Sur ce, continuez de vous abonner, liker, tatatitatata, vous connaissez la chanson. Je vous remercie encore de me suivre, de me soutenir, d'être d'accord ou pas d'accord avec moi. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Le Sim Racing de Mick. C'était Mick, bien évidemment, pour vous servir. À très bientôt, ciao! Et si t'as bien aimé la musique de fond, eh ben sache que c'est l'un de mes 2 groupes dans lequel j'officie à la batterie. Ça s'appelle Code Zero. On chante en français, on fait du rock FR, donc si t'aimes bien ça, et ben, je t'invite à venir sur notre page YouTube, à t'abonner et à partager nos morceaux si tu apprécies notre musique. Voilà, je te laisse un petit extrait et puis je te laisse ensuite continuer sur la page YouTube que je mettrai en description. Allez, à plus les copains. Annonce la couleur jaune.